Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo, on va dire, un petit peu de nettoyage, vraiment rapidement. Décoration, donc j'ai décidé de placer ma déco d'automne puisque là vraiment, ça y est, on est dans le mood. Il fait moche, gris, la plupart du temps, il pleut beaucoup. Et vraiment, j'ai envie de cette petite ambiance cocooning. Vous connaissez les plaids, les bougies, etc. Et également, je pense qu'il y aura une petite recette, on va dire, automnale. Un petit goûter pour les enfants. Voilà, donc là, je vais sortir tout ce que j'ai de décoration d'automne. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et ensuite, on va venir placer le tout. C'est parti. Donc, j'ai placé sur la table tout ce que j'ai de décoration d'automne. Alors, ça va pas être une grosse déco comme à l'américaine, malheureusement, puisqu'ici, on n'a pas tellement de choix. Mais j'ai réussi à trouver des petites choses et aussi, j'avais quand même des choses de l'année dernière. Donc, je vais m'en servir. Je vous montre un petit peu, voilà, des citrouilles, des plateaux, dans les couleurs vraiment automnales. Je veux pas, j'ai pas trop envie de repeindre en blanc ou en gold ou en non. Moi, j'aime bien quand c'est les vraies couleurs. Voilà, donc un petit peu de orangé, de gris vert, on va dire. Enfin, voilà, vous allez voir tout ça avec des housses de coussin, des plaids et ça fera bien l'affaire. Avant de commencer ma petite décoration d'automne, je vais venir faire un gâteau pour le goûter. Comme ça, pendant qu'il sera en train de cuire, moi, je pourrai venir faire ma petite déco d'automne et mon nettoyage. Donc, ça sera un gâteau à base de bananes, de sirop, de citrouille et de pépites de chocolat que j'ai trouvé sur le site de Coucomix. Donc, je vais faire le banana bread au Thermomix. Mais vous pouvez le faire dans un saladier sans souci. Je vais mettre 100 g de sucre roux. Donc dans la recette c'est 100 g, mais moi je vais juste mettre 80 parce que je vais rajouter du sirop, c'est déjà sucré. Et les bananes plus les pépites de chocolat. Donc là j'ai mis 80 g de sucre roux. Je vais mettre 100 g de beurre. Et bien sûr on a préchauffé le four. Donc normalement là c'est une cuillère à soupe de sucre vanillé, moi je vais mettre une cuillère à soupe de pumpkin spice, le sirop. Ensuite je vais mélanger une minute vitesse 4 et je vais ajouter les deux œufs petit à petit pendant que ça mélange. Donc là, je vais remélanger 30 secondes vitesse 4 et ensuite je vais ajouter 3 bananes coupées en morceaux et remélanger 30 secondes vitesse 5. Donc là, je vais mélanger 30 secondes vitesse 5. Donc là, je vais ajouter la moitié d'un sachet de levure chimique et 225 g de farine. Donc là, je mélange 30 secondes, vitesse 4. Je vous montre un petit peu ce que ça donne à ce stade-là. Je vais ajouter 100 g de pépites de chocolat. Normalement, c'est noir. Mais moi, j'ai les pépites de chocolat chunk. Donc, je vais mettre celle-ci. Et ensuite, je vais mélanger 30 secondes, vitesse sens inverse, vitesse 3. 30 secondes, sens inverse, vitesse 3. Donc là, je vais venir la mettre dans un moule beurré. Et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes à surveiller parce que chaque four est différent.
Donc là, je vais déjà commencer par regarder ce que j'ai dans mes petites boîtes. Donc j'avais mis des petites étiquettes déco d'automne pour voilà, que chaque chose soit à sa place. Avec les enfants, on avait été récupérer des petites pommes de pin comme ça, dans la nature, dans la forêt. Et on avait aussi récupéré de la mousse, enfin plein de choses, plein de choses. J'ai envie de vous dire, tout ce que vous trouvez de déco d'automne à Action ou partout, vous l'avez dans la forêt. Donc au moins, c'est gratuit. Voilà, donc là j'ai tout sorti, j'ai vraiment envie de faire ça pendant que les enfants sont à l'école, comme ça ils vont rentrer. J'aime bien quand ils me disent waouh, c'est trop beau, j'aime trop faire ça quand je change de déco. Je le fais toujours quand ils sont à l'école, comme ça quand ils rentrent ils sont surpris. Donc maintenant que le gâteau est au four, pendant la cuisson du gâteau je vais passer à la petite déco d'automne. Donc je vous montre un petit peu les achats que j'ai fait. Donc c'est principalement je réfléchis, c'est tout de chez Action. Vraiment tout, tout, tout de chez Action. Bon, c'est des choses que vous pouvez retrouver tous les ans, les citrouilles, etc. Il y a juste ces petites citrouilles-là, voilà, comme ça, un petit peu grisées, que j'ai eues chez Ikea. Voilà. Sinon, toutes les autres décos viennent de chez Action, que ce soit les housses de coussin. Puis après, voilà, comme je vous ai dit, il y a des petites décos qu'on a été chercher dans la forêt avec les enfants. Ça nous a fait une petite activité familiale. Voilà, ce genre de petite mousse également, on l'a prise en forêt. Et sinon, il y a cette petite guirlande que j'avais d'abîmée, petite guirlande lumineuse que j'ai faite moi-même. J'ai juste ajouté voilà, des petites feuilles que j'ai eues chez Action. Voilà, allez, c'est parti pour la déco. Donc là, je vais commencer par m'occuper du canapé, changer les petites housses de coussin. Je ne vais pas enlever les tapis qu'il y a dessus parce que le canapé est abîmé et que voilà. Ça me permet de camoufler la misère. Mais je vais changer le plaid, je vais changer les housses de coussin. Comme ça, ça fera un petit peu plus couleur automnale. Je vais commencer par nettoyer un petit peu mon canapé puisqu'il y avait pas mal de traces des enfants. Voilà, au niveau des accoudoirs. Ensuite, je vais venir changer les housses de coussin. Et je vais changer le plaid également et faire une petite déco sur la table basse. Franchement, changer de déco, ça fait du bien aussi au moral. Et vraiment, si vous voulez une petite déco pour pas cher, je vous invite à aller chez Action ou chez Babou, dans ces magasins comme Centre Accor, etc. Vraiment, ils vendent des choses mignonnes, pas trop chères. J'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur pour pouvoir installer le tapis. Donc maintenant le froid recommence à venir. Donc pour que ce soit un petit peu plus chaleureux, un petit peu moins froid par terre, je vais remettre mon tapis. Et avant ça, donc je vais nettoyer le sol. Et ensuite, je vais également passer un petit coup sur le tapis puisque ça fait un moment qu'il est plié pour lui redonner un petit peu sa forme.
Ensuite, je regarde un petit peu ce que ça donne et vous allez voir que parfois je fais des petites modifications. Donc, même pour les autres décos, ça ne sera pas forcément figé dans le temps. Peut-être que parfois je changerai par-ci, par-là. Et donc là, je suis venue remplacer avec une petite citrouille jaune. Je trouvais que ça se mariait bien avec l'oreiller que j'avais mis sur le canapé. Ensuite, je viens m'occuper du coin piano. Donc, je vais mettre un petit peu de déco par-ci, par-là, mais pas trop trop pour pas que ça soit trop chargé, pour pas que ça soit trop le bazar et pour pas que ça soit trop compliqué par la suite pour le ménage. Ici, je vais venir mettre la petite couronne qui avait été faite l'année dernière par mes enfants, une petite figurine et une petite couronne de champignons avec une petite citrouille. Ensuite, je vais m'occuper du meuble TV, donc je vais le dépoussiérer, puis le décorer. Je vais vraiment essayer de faire une petite ambiance cosy dans chaque petit coin avec une bougie, des petites citrouilles, des pommes de pin. Et ici, je vais venir mettre un nouveau vase avec des petites, un petit bouquet automnal. Et pour finir, dans le salon, je vais changer le plateau argenté que j'avais sur la grande table à manger. Et je vais y mettre un plateau un peu plus de couleur automnale. Voilà, avec des citrouilles, des pommes de pin, des petites feuilles, un petit peu tout ce qu'on retrouve dans la nature. Et voilà ce que ça donne au niveau du centre de table. Ensuite, une fois que j'en ai terminé avec le salon, je viens décorer la cuisine. Je commence déjà par mettre une petite huile essentielle Pumpkin Spice dans mon diffuseur pour me mettre dans l'ambiance. Je vais également changer ma bonbonnière puisque mon mari a fait tomber le couvercle et il s'est cassé. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'en mettre une nouvelle. J'en ai profité pour laver mon vase et enlever mon plateau strass qui était plein de poussière.
Et ensuite, je viens m'occuper du coin à côté de ma plaque de cuisson pour le désencombrer un petit peu. J'essaie vraiment de laisser un minimum de choses sur mon plan de travail puisque j'aime avoir un plan de travail vraiment vide, d'avoir une vue comme ça d'ensemble de vide. Franchement, j'aime trop. J'aime pas quand il est encombré ou que voilà, je dois déplacer je ne sais combien de choses avant de pouvoir travailler correctement dans ma cuisine. Je viens changer les torchons sur mon four, donc qui vont très bien avec ma cuisine d'ailleurs et avec le thème. Et pour finir, je viens nettoyer et décorer mon coin café. Donc dans mon petit coin café, je vais installer cette petite étagère donc en bois sur deux étages. Je vais y mettre des petites citrouilles, une petite pomme de pin, voilà, toujours dans le thème. Et ensuite, je vais mettre mon petit sirop à la citrouille donc qui vient de chez Amazon. Vous l'avez dans mon Amazon Shop. Et sur le dessus, je vais mettre d'autres sirops donc qui viennent eux de chez Action. Voilà, pour me faire des bons petits cafés aromatisés. Et voici ce que ça donne. Bien sûr, j'ai rempli ma boîte à café. Donc, je vous dis café, mais ça peut très bien être des chocolats gourmands. Ensuite, je viens mettre un torchon sur mon lave-vaisselle. Et j'en aurai fini avec la déco de la cuisine. Voilà, j'ai vraiment fait quelque chose de sobre, d'épuré, surtout que c'est dans la cuisine, donc je voulais pas qu'il y ait trop d'éléments, puisque c'est quelque chose qu'on nettoie tout le temps, et surtout avec le gras, etc. Donc ça me convenait bien de pas en mettre trop. Ensuite, je vais venir vous montrer ce que ça donne une fois le gâteau cuit, donc le banana bread. Je me suis fait un petit café à la citrouille et il était l'heure pour moi de faire un petit goûter avant d'aller chercher les enfants. Et bien sûr, je vous mets la réaction des enfants en rentrant de l'école. Il y a des lampes citron. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma petite déco d'automne? Trop bien. Moi, je l'aime bien. Il a dit, waouh, trop beau en rentrant. Regarde là-bas. Oh, les feuilles. Waouh. C'est trop beau. Même un nouveau tapis. Oh, j'adore. Rien que ça, là, la décoration, tu peux la filmer, elle est trop belle. Mais là, on dirait on est dans la rue en train de se promener. Carrément. Oh, tu l'as installé dans le champ, on l'a vu. Allez, action. Les petites citrouilles là, comme ça, belle. T'aimes bien? Moi, j'aime bien surtout les feuilles d'automne. Ça aussi. Maman. Waouh. Maman. Des feuilles et des citrouilles. En fait, et ben, dans mon école, à moi, on parle beaucoup des feuilles d'automne. Maman, et des trucs d'automne. Je voulais également vous montrer ce que ça pouvait donner de nuit, donc j'ai allumé la cheminée et avec toutes les guirlandes allumées, je voulais vous montrer un petit peu le rendu final. Donc une fois que les enfants sont allés au lit, je me suis mis dans une petite ambiance cocooning. Pour celles qui se demanderaient, c'est une cheminée à l'éthanol et pour éviter que ça ne sente trop fort, je mets un petit récipient avec de l'eau et de l'huile essentielle juste à côté. Comme ça, une fois que ça chauffe, et ben, ça sent assez bon. Voilà ce que ça donne au niveau de la cheminée. Vous voyez, il y a le petit récipient blanc juste à côté et j'ai allumé toutes les guirlandes pour pouvoir vous montrer.
Et bien sûr, j'aère toujours une fois que la cheminée est terminée. Voilà les amis pour ma déco d'automne. Ici, je déclare ouverte la saison du mode cocooning, chill, Netflix, chocolat chaud. Ici, on est prêt pour affronter l'automne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Et surtout, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !